Aujourd'hui, on est là pour faire la chirurgie, une intervention chirurgicale d'une chienne mal baisée qui se trouve dans une brousse de l'Allemagne. Peut-être que certains ont vu ces vidéos où elle m'insulte, mais je vous dis, c'est une petite chienne. Elle n'est pas suivie. Elle n'a rien. Parce qu'elle n'a rien dans la tête quoi partager avec les gens. Elle n'est pas belle pour qu'elle soit non plus suivie à cause de sa beauté. Elle n'a rien. C'est une fille, j'ai même oublié de mentionner. C'est une fille sans cervelle, une fille sans clitoris, une fille sans éducation, une fille sans famille, une fille sans avenir. Je passerai en dialecte guerrier. Mais tout ce que j'ai à vous dire, vous mes guerriers, c'est de laisser mes des tonnes, des tas d'injures à cette chienne mal baisée, à cette ratée. De toute façon, elle a raté sa vie, elle pense que tout le monde est comme ça. Elle a duré dedans, à chaque année elle m'attaque. À chaque année elle m'attaque, elle attaque ma famille, je ne dis rien. Elle m'a attaqué deux fois que parce que je dis le nom de celui d'Alain sur ma page. Mais ça, c'est son motif de cette fois. Et les autres années, quand elle m'attaquait là, c'était pourquoi? Quelle était la cause? Elle m'attaque toujours sans cause, sans raison. Et après tout, cette année, comme elle voit vraiment que je ne lui ai rien dit, je n'ai pas dit son nom. Mais je n'ai rien fait à cette chienne. Comme d'habitude, elle m'accuse à tort. Simplement parce que ma valeur la dépasse. Simplement parce que je suis plus instruite qu'elle. Simplement parce que moi j'ai une famille et elle, elle n'en a pas. Simplement parce qu'elle est malheureuse. Simplement pour ça. Elle m'attaque. Elle m'insulte moi-même. Elle insulte mes parents. Elle est sans aucun respect. Je lui ai toujours évité. Je lui ai rien dit. Tout comme cette fois encore. Elle m'a toujours attaqué sans motif, comme je vous explique. Cette fois, tellement elle est sans raison, tellement elle est sans cause, je vous dis tellement elle est sans motif, elle dit simplement qu'elle m'insulte parce que moi je parle de celui d'elle sur ma page. Juste parce que je parle de celui d'elle sur ma page. Parce qu'elle n'a plus rien quoi dire. Je dis et répète, et les autres fois, quand elle m'attaquait, c'était quoi la cause? Donc je vous dis, sans respect, c'est moi je vous donne le feu vert. C'est moi je vous donne le feu vert. Ni son nom, ni son visage, rien n'est digne de sortir sur moi ma page. Moi, elle m'affiche sur sa page parce que je suis très belle. Elle affiche mon visage sur sa page parce que je suis très belle. Et lorsque vous voyez qu'elle a eu même 50 j'aime, c'est parce qu'elle est venue m'insulter. C'est parce qu'elle a affiché mon visage sur sa page. Sinon, si elle n'a pas affiché mon visage sur sa page là, elle ne peut pas avoir de j'aime. Même ça là, ça doit les parler. Elle doit savoir qu'elle n'a que des j'aime lorsqu'elle attaque Annie de Love. Ça veut dire que je suis une star moi. Je suis valeureuse, j'ai de la valeur. Là où mon simple nom est affiché, les gens courent comme ça pour aller voir. Eh, c'est Annie de Love qui est affichée comme ça ici. Eh, la grande star Annie de Love, la fille valeureuse là. Attends, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Sans ça seulement, les gens peuvent aller lui donner des petits j'aime. Sinon, elle-même là, elle affiche sa photo comment elle n'a pas de j'aime. Tout le temps, elle est là, elle danse. Elle remise, comment je vais appeler ça, sa queue, c'est pas fesse. Elle remise sa queue nuit et jour comme ça, quand elle danse, elle n'a pas de j'aime. Elle a tout fait, elle n'a pas de j'aime. Elle cherche buzz fatiguée, elle n'a pas de j'aime. Elle insulte les gens fatigués, elle n'a pas de j'aime. Même une simple passe fixe, elle n'a pas. Elle n'a pas. Donc, elle a duré dedans. Chaque année, je dis, elle m'attaque. Chaque année. Son unique nom que je vais vous dire là, c'est Wido. Wido, W-I-D-O. Donc, quand vous l'attaquez, quand vous l'insultez, là, écrivez là-bas, Wido, ta mère con. Wido, tu es une pétasse. Wido, tu es une ratée. Écrivez toutes les injures de ce monde à Wido. C'est son unique nom que je peux vous dire, Wido. Elle n'a pas autre nom dans ce monde. Elle n'a pas autre nom. Donc, si je passe maintenant en Guerzé pour bien l'opérer, pour lui faire une chirurgie, une intervention chirurgicale, là, vous m'excusez. Et puis, ne baissez pas de vue parce que je parle le dialecte. Je parle le dialecte parce qu'elle se flanque nuit et jour devant des forestiers biais qui sait.
devant des forestiers barbiers, devant des forestiers bâtards, parce que elle n'est pas suivie, mais la petite minorité, des forestiers qui partent lui regarder là, ce ne sont que des barbiers, ce ne sont que des mercons, ce ne sont que des bâtards. Sinon, une ratée, une bâtarde comme ça, les vrais forestiers ne le suivent pas. Non, 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 elle sait très bien. Elle est là, elle envoie invitation à tous les grands hommes en privé. J'ai toutes mes preuves. Les gens, cela me montre. Elle cherche, celle qui cherche relation, celle qui cherche tout le monde. Les gens ne lui regardent même pas. Mais elle est malheureuse. Les gens ne la regardent même pas. Elle me cherche tout simplement pour que moi je lui donne buzz. Mais même ça, là, ça ne va pas lui donner buzz. Ça ne lui donne pas buzz. Parce que ma chérie, ton visage, ce n'est pas digne d'être affiché sur ma page. Si tu entends te donner buzz, là, c'est que j'ai affiché ton visage. Si tu entends te donner buzz, c'est que j'ai affiché ton nom. Moi, mon nom, bah, mes photos, bah, tu es là tout le temps, tu affiches ça. Parce que c'est par ça que tu as les j'aime, je dis et répète. C'est moi, ma photo qui te donne buzz, qui te donne un peu de j'aime. Et puis ça aussi, 50 j'aime. Sinon, à temps normal, tu as les 1 j'aime. Quand tu fais direct, tu as 2 vues. Tu es tellement malheureuse, tu cherches Annie de Love juste pour te donner un peu de j'aime, juste pour te donner un peu, pour te faire remarquer un tout petit peu quoi. Les gens ont oublié même ton existence. Ma chienne, ma petite chienne mal baisée, Wido, les gens ont oublié même ton existence. On ne sait pas si tu existes dans ce monde. Donc pour que les gens sachent que toi tu existes, tu dois moi m'attaquer. Tu dois m'insulter, et puis à tort, sans cause, sans raison. Mais ma chienne, tu as vu le ciseau? Pour commencer, je me présente à toi. Moi, je suis Annie de Love, l'infirmière. Je suis une capable infirmière. Ok? C'est ce que j'ai étudié. C'est mon travail. Je suis une infirmière. Moi, je suis sur les réseaux sociaux par compassion, par plaisir à moi. Parce que je me suis lancée dans mon combat patriotique, mon noble, mon fameux combat patriotique, qui est de venir sauver ma nation, qui est dans les mains des criminels. Toi, tu veux rabaisser mon combat là. Tu veux qualifier mon combat là d'un combat juste. Tu penses que c'est un combat de la poubelle quoi. Tu penses que c'est un combat de ta mère con. Tu penses que c'est un combat de ta chatte pourrie. Tu penses que c'est ça. Mais moi, mon combat est noble. Donc, pour commencer, ma petite... Ma chienne mal rasée, mal baisée, sans clitoris, sans cerveau. Tu es une fille sans clitoris. Je vais passer sur ça, je vais te détailler pourquoi tu te comportes comme ça. Donc, retiens que je suis une infirmière. Et comme je suis une infirmière, là, voilà mon ciseau de l'hôpital. C'est avec ça, je vais t'opérer, puis sans gaz. Sans gaz. Je ne vais pas te donner anesthésie, hein. Je t'opère sans gaz. Maintenant, apprête-toi, va rentrer dans le bloc. On rentre dans le bloc opératoire comme ça. Est-ce que tu me comprends? Wido, Wido, toi et moi, on rentre dans le bloc opératoire. Parce que je suis ton infirmière. Si tu ne sais pas me respecter, après cette vidéo, tu vas apprendre à me respecter moi-même, à respecter ma famille, qui n'est pas ton égard. Tu n'es qu'une chienne mal baisée. Et puis dans une brousse de l'Allemagne, comme j'ai mentionné, le grand pays là est dans ton nom, tous les autres ont billet. Qui sait que toi tu es en Allemagne, tu es dans une brousse de l'Allemagne. Quand tu parles, il faut bien remarquer, il faut bien te préciser. Donc voilà mon ciseau. Toi et moi on rentre dans le bloc opératoire. Je t'opère sans gaz, sans anesthésie. Voilà mon ciseau. Voilà mon masque. Je porte ça comme ta chatte. C'est pourri, ça sent mauvais. Donc je porte mon masque. Ok? Je porte mon masque pour ne pas que l'odeur de ta chatte pourrie me tue. Mes guerriers ont besoin de moi. La nation guinéenne a besoin de moi. Ma famille a besoin de moi. Il ne faut pas que dans le bloc opératoire là-bas, l'odeur de ta chatte puisse me tuer. Voilà. Voilà mes gants. C'est avec ça que je vais opérer ta chatte. Tu n'as pas de clitoris. C'est coupé dedans. Donc je vais t'opérer pour que je pointe, je colle un peu de clitoris dans ta chatte. Tu as vu ça? Je vais porter les lunettes. Les lunettes là, je vais les porter pour bien regarder ta chatte et bien opérer ça. Est-ce que tu m'as compris? Ma chienne, Wido, je vais bien ouvrir ton billet qui c'est là. Je porte les lunettes, je regarde dedans. Je porte mes gants. Laisse-moi les porter en même temps. Je porte les gants là. Ok? Les gants, tu as vu ça? Et puis je prends mon ciseau.
Je porte ça. Et puis je prends mon ciseau, j'ouvre bien ton billet, qui sait, pour très bien opérer dedans, comme tu n'as pas de clitoris. Quand une femme n'a pas de clitoris comme toi, c'est comme ça. Sa colère, l'unique colère de cette pétasse-là, de cette pétasse, de cette chienne mal baisée, une chienne qui a de la rage. Toi, tu vas t'attaquer à tout le monde, sauf moi. Tu me dois du respect, ma petite. Ok? Je piétine ta chatte. J'enfonce un gros pilon dans ta chatte et puis ça part, ça sort dans ta bouche. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu penses que je suis ton égard? Tu t'as mise avec une guerrière nationale? Tu n'as vu personne qui insultait sauf moi? Et tu ne te limites pas à moi jusqu'à ma famille? Mon père, qui est mon deuxième Dieu, tu oses t'attaquer à lui nuit et jour? Le Satan a-t-il pissé, le Satan a-t-il chié dans ta tête? C'est à ta tête que Satan est en train de danser sa varie? Ma petite, viens te pointer ici, appelez-moi Widow,